L'histoire de Julien et Julia fait rêver. Cela se passe à Saint-Palais-sur-Mer, en Charente-Maritime. Julia et Julien sont les patrons d'un camping à 500 mètres de la plage. Julia a le sourire. Elle a encore des arrivées, même si la saison est presque terminée. Bienvenue. Oui, merci. Vous avez fait bonne route? Tout à fait. Très bonne route, oui. Merci. Bonjour. Julien aussi est d'excellente humeur. Il a fait les comptes. On est très contents de cette première saison. On s'attendait à... On avait fait des objectifs à peu près de plus 15% de chiffre d'affaires, c'est ce qu'on avait prévu. Et on va arriver à peu près à plus 20%, donc on est très contents. Le fils des patrons, lui, ne quitte pas sa pelle. Il s'en sert pour explorer le terrain du camping. La vie est belle. Pourtant, au printemps dernier, rien n'était gagné. Lorsque nous les avions rencontrés, ils venaient de s'installer à Saint-Palais. Ils avaient quitté Bordeaux. Tous deux contrôleurs de gestion, ils vivaient au rythme infernal des grandes villes. On avait envie de profiter plus de notre petit garçon, de nous, d'être ensemble, d'être plus ensemble, de plus avoir tous ces bouchons le matin. Pour changer de vie, ils avaient racheté ce petit camping au bord de la mer. 20 emplacements et une dizaine de bungalows à retaper. Et vous allez là? Leurs amis les prenaient pour des fous. Il n'y a pas d'électricité dans le B12 là? Le compteur, il est remonté pourtant. Le jour de l'ouverture, les travaux avaient pris du retard. Il y a 3-4 mobilhomes qu'on a pas ouverts parce qu'on n'a pas eu le temps de les nettoyer de fond en comble. Il pleuvait des cordes alors que les premiers clients débarquaient plus tôt que prévu. Les clients. Julia ne savait plus où donner de la tête. C'est la gadoue totale, il arrête pas de pleuvoir. Alors vous allez vous garer là, vous avez toute la place là. C'est hallucinant. Voilà, je vous souhaite un bon séjour et puis on se voit tout à l'heure. Quatre mois plus tard, en cette fin d'été, c'est le miracle. Il fait beau, les gros travaux sont achevés. On a aménagé l'accueil, donc le parasol ici, pour donner un petit côté exotique. On a renommé également tous les chalets en leur donnant un petit nom afin de personnaliser un peu plus les logements, donc là le bananier, le dune. Julien et Julia se sont réservés le grand bungalow à l'entrée. C'est plus petit qu'à Bordeaux, mais il y a tout ce qu'il faut. Ils sont devenus des hôteliers de plein air très pro. Bonjour monsieur. Bonjour monsieur. Bienvenue hein. Mais c'est gentil. Vous voulez la mettre comment? Rien ne leur fait peur. Julien peut même passer 45 minutes à l'implantation d'une caravane avec un client charmant mais un tantinet maniaque. Attendez, alors, je suis en train de calculer 2 mètres. Si je compte 2,50 de plus. Ah, dans l'autre sens, vous voulez mettre le haut? Bah oui, c'est juste hein. Si je... Là, ça passe plus. Coucou. Ça c'est... Ah, il y a des douches ici. Il y a des douches. Bon, c'est bon. Bon ben, bonne installation. Oui, oui, on va continuer. Et puis, il y a ce soir, alors. Hein. Voilà, oui. Hein, et oui, bonne oui, douche oui, en attendant. Les clients des bungalows n'ont d'autre souci que d'aller se baigner. Oui, on va à la plage. Voilà. Voilà. Un petit peu. Se bronzer. Fait chaud, hein, par rapport à ce matin. Voilà. Allez, bonne journée. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Bonne plage. Amusez-vous bien. À tout à l'heure. À 5h30, il faut que j'aille chercher Robin. Mon petit chéri, il est chez la nounou. Si côté travail tout va bien, qu'en est-il côté famille? Je suis à la bourre, hein, mais la nounou, elle a l'habitude. Julia a dû faire appel à une garde d'enfants. Il n'y va que 2 jours par semaine, le jour de l'arrivée et du départ des campeurs. Coucou mon chéri. C'est 2 fois moins que lorsqu'ils habitaient à Bordeaux. Merci Christelle. À demain. Viens mon cœur. On va se promener à la plage. T'es bien adapté au camping, ma canaille? Ouais. Tu t'es fait des copains? Pendant la saison, le camping marche tout seul. Ils ont le temps de profiter de la mer comme leurs clients, qu'ils retrouvent d'ailleurs souvent en maillot de bain. Encore nous. Encore. Alors l'eau était bonne? Très bonne, très bonne. Ça va, vous êtes baigné? Bon, un petit peu. Légèrement? Ouais. Oh, c'est bon, c'est bon. Ouais. Bonjour. Bien? Oui. Les commerçants aux alentours sont devenus des copains. Ça a été la saison? Ça, un petit peu moins bien que l'année dernière, mais bon. Ouais. Il y a des hauts, des bas. Il y a des hauts et des bas. Ouais. Ce soir, c'est sort et paille, là. Pour avoir plus de hauts que de bas, Julia et Julien ont de l'imagination. Une fois par semaine, les vacanciers se réunissent pour un apéro gratuit. Oui, avancez. Du vent. Je sais pas, ça y est. Comme ça. Il y a un sens du vent. On peut faire un U comme ça. On fait dans U. Ouais. Ce soir, c'est paella pour tout le monde, de quoi ravir même les plus exigeants. C'est une excellente idée d'avoir fait cette réunion.
Comme ça, on se ça permet de faire connaissance. Hein. Les gens du nord, du sud, de l'est, de l'ouest. Une bonne initiative des responsables du camping. Julia. De Julia. Et Julien. Et Julien. C'est très convivial, c'est une équipe jeune, comme nous-mêmes d'ailleurs. Enfin, on est un peu moins jeune que l'équipe en place, mais bon. Les clients sont charmés. Tiens, mon chéri. Ils sont sympas. Non, sympas, très sympas. Et puis, ils sont faits pour avoir son camping. J'ai même demandé s'ils avaient eu un stage ou quelque chose comme ça. Non, non, ils ont dit non. Mais sont faits, c'est vrai qu'ils sont faits pour ça. Santé, aux vacances. Santé, aux vacances. Voilà pourquoi cette histoire est si belle. Changer de vie, cela n'est pas facile, mais quand ça marche... On a plus le temps de profiter de la vie, voilà. Voilà. C'est que du bonheur, alors. C'est que du bonheur, effectivement. Pour Julia et Julien, les vacances ne sont pas encore au programme. Ils vont passer leur hiver à améliorer leurs installations. Les joies du camping ne font que commencer.